thank you aura incontestablement été l'année du changement, un changement choisi par les Français et tout particulièrement par les Créillois. En élisant François Hollande comme président de la République et en lui donnant une large majorité pour gouverner, les Français ont clairement indiqué qu'ils voulaient une autre politique, une politique qui place les hommes et les femmes au cœur de notre projet de société. Quel qu'ils soit, d'où qu'ils viennent. Nous savions tous, durant la campagne, que le contexte économique était exceptionnellement dramatique et que la tâche serait longue et difficile. Elle l'est en effet, et je pense que Yves Rome et Michel Français, l'un au Sénat, l'autre à l'Assemblée nationale, ne me démentiront pas. Je me suis engagé auprès de François Hollande dans cette campagne. Et je continuerai à le soutenir durant ce mandat parce qu'il est aujourd'hui le seul en situation de redresser notre pays. La devise du nouveau président en campagne était le changement, c'est maintenant. Nous avions souligné la coïncidence. Je ne puis qu'y souscrire puisque Cray, c'est maintenant est celui que nous avions choisi pour la ville en 2008. Mais pour avoir choisi ce slogan, pour notre mandat municipal j'en connais tout le sens j'en mesure toute la responsabilité il faut changer maintenant oui mais tous ensemble dans la concertation en expliquant en rassurant même changer pour tous et pas seulement pour quelques-uns non pas dans la précipitation mais dans la cohérence c'est le projet et la méthode que nous avons choisi pour creil et ce, depuis 2008. Nous poursuivrons jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour de notre mandat en mars 2014, et pourquoi pas, point de suspension. En 2013, je vous propose de placer cette année sous le signe de l'économie et de l'emploi, mais surtout de l'économie pour l'emploi, et dans une perspective concrète. Pour les créoises et les créois à horizon 2020. Ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je veux affirmer que l'économie, c'est d'abord le travail. Ce travail qui permet aux hommes et aux femmes de rester libres, de choisir leur destin. C'est cette économie-là que nous voulons. Une économie qui se développe pour les femmes et pour les hommes et non pas contre ou malgré eux. Et surtout, qui préserve le bien vivre ensemble. Sur la carte de vœux que j'ai adressée aux créoises et aux créois cette année, ils ont pu lire 2013, nouvelle année, nouvelles idées, nouvelles ville. Eh bien, parlons-en. En 2011, je leur avais adressé le bilan de notre action à mi-mandat. Je vais le compléter un tout petit peu ce soir. Tout d'abord, comment pourrais-je parler de 2012 sans évoquer la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Londres de Céline, les deux titres de championne de France d'Edwige, le combat de Cédric pour les championnats d'Europe de boxe, mais aussi des succès de nos équipes en football et en basket En 2012, les deux plans de renouvellement urbain du quartier Rouer, maîtrise d'œuvre. La ville et de Gournay, métisse d'œuvre de la CAC, et je salue Christian Grimbert qui est là parmi nous. Ça fait plaisir de te revoir. Ces deux plans de renouvellement ont poursuivi leur déploiement dans de bonnes conditions, et ce, conformément au calendrier prévisionnel. 2012 se fait aussi un symbole fort pour notre ville, en pleine croissance démographique, l'extension de l'école Gournay en novembre dernier, justement, dans le quartier qui est en renouvellement urbain. Dans les années qui viennent, nous devrons continuer à investir dans les écoles, mais aussi dans le périscolaire pour faire face aux besoins des jeunes créoises et créois. Nouveauté marquante en perspective aussi dans le paysage créois, puisque dès cette année, nous assisterons à la construction portée par la CAQ de la passerelle qui reliera l'île Saint-Maurice au quartier Gournay. Autre engagement pris en 2012, la mise en place en septembre 2013 du compte administré qui centralisera l'ensemble des données de chaque citoyen dans ses relations avec l'ensemble des services de la ville. Sur les questions de sécurité et de tranquillité publique, que j'avais déjà largement évoqué l'année dernière. Le ministère de l'Intérieur a intégré Creil en novembre dernier comme prévu dans la deuxième vague des 49 nouvelles zones de sécurité prioritaires. Bien entendu, nous nous inscrirons dès le début de cette année dans le dispositif des contrats d'avenir engagés par le gouvernement grâce auquel nous recruterons dans un premier temps Dix jeunes dans les filières de l'économie verte et de la solidarité, tant au sein des services de la ville que du CCAS. Enfin, sur le logement, qui reste un sujet majeur de préoccupation des créois, ce sont plus de 150 logements neufs qui ont été livrés en 2012, dont deux tiers en logement social, exclusivement construit par Wazabita. Habitat. Un tiers dans le privé, et ce tiers, c'est 80% de primo accession. Alors ce soir, je vous propose d'aller plus loin, plus haut, d'imaginer Creil dans les dix prochaines années. Je ne vous propose pas de le rêver, je veux vous le montrer, ce que nous avons choisi d'appeler Nova Creil 2020. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 2013 sera placé sous le thème de l'économie pour le travail. Ce thème sera également le fil rouge de Nova mille 2020, et ce en trois étapes. La première, je la fixe dès ce printemps avec l'inauguration de la piscine, qui lancera symboliquement cette opération. Une piscine moderne, rénovée, agrandie d'un bassin ludique, avec et ce avec l'aide de la région Picardie et du département de l'Oise. Deuxième étape, 2017. Malgré le plan d'économie lancé par le gouvernement sur les grands travaux ferroviaires, nous sommes confiants pour la ligne Picardie-Cray-Roissy, qui mettra notre ville à 20 minutes de l'aéroport en liaison TGV-TER. Et le ministre des Transports nous a donné des assurances à ce sujet, et je sais l'attachement des Picards pour ce projet et l'engagement de Claude Géverc, lui-même, que je remercie. Troisième étape, 2020. Grâce à cette accessibilité exceptionnelle, c'est la ville dans son ensemble qui va trouver un nouveau souffle. D'abord, avec la création d'un écoport sur le secteur Vieille Montagne avec des logements mais aussi de l'activité économique et c'est sur ce quartier que sera adossé le port fluvial de plaisance. Là encore, il s'agit de créer une nouvelle filière basée sur le tourisme que nous proposerons aux autres communes riveraines si elles le souhaitent de travailler ensemble et en synergie pour réaliser une offre globale dans ce domaine 2020 toujours en cohérence avec l'arrivée des lignes TGV TER le projet gare cœur d'agglomération il arrivera à échéance là aussi autour d'un projet de rénovation urbaine il s'agit de bouleverser l'attractivité économique de la ville en attirant aussi les acteurs économiques du secondaire et du tertiaire autour d'un quartier de la gare au sens large rénové, réorganisé, modernisé. Il s'agit de valoriser, de moderniser notre ville. Comme vous le voyez, c'est donc dès maintenant et à grande vitesse que nous préparons les avenirs à venir. Vous aurez aussi compris ce soir que c'est non seulement une perspective, mais également une ambition que je vous propose d'avoir tous réunis pour notre ville, une ambition qui continue à faire vivre le changement. Ce soir, je vais conclure mon intervention, j'arrive à la fin, en vous faisant un aveu. Lorsque j'ai été élu maire, en mars 2008, je connaissais bien Creil, je connaissais bien ses quartiers, ses rues, ses habitants. J'habitais cette ville, je l'habite toujours. Aujourd'hui, avec tous ces quartiers, toutes ces rues, mais surtout avec tous ces habitants, c'est Creil qui m'habite. Au nom du Conseil municipal et des services municipaux, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne et heureuse année 2013 et que vivent nos deux mille 2020. Merci.